c'est le Disney Club. Bonjour les enfants. Excuse-moi. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, écoute, ça aurait été avec plaisir, mais le problème, c'est que ce jour-là, je serai à New York. Eh oui, 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 oui. Comment tu dis? Le 22, voyons. Le 22, le 22, je serai à Rio. Oui, Rio. New York, Rio, mais ça va pas, hein. Nicolas, psst, c'est qui au téléphone? Chut, c'est pour la clôture du Festival de Cannes. C'est Gérard. Mais Gérard Depardieu, il tient beaucoup ma présence. Le Festival de Cannes, mais pourquoi seulement Nicolas? Écoute Gérard, je vais essayer de me libérer, hein. Mais je te garantis rien parce que j'ai un dîner ce jour-là avec Steven Spielberg. Oui, oui. Oh, Catherine! Oui, Catherine Deneuve sera là également, elle tient beaucoup ma présence. Philippe, si tu veux mon avis, il y a un mystère. C'est sûr. J'enquête. Oui. Oh Nicolas, tu es un imposteur, le téléphone n'est même pas branché. Oh ben, si on peut plus rêver, hein. Ça m'aurait fait tellement plaisir que Catherine Deneuve m'accompagne pour monter les marches du palais des festivals. Oh, tu exagères, c'est plutôt toi qui aurais l'honneur de gravir les marches aux côtés de Catherine. Tu n'as pas honte, Nicolas? Si, un peu quand même. Mais j'avoue que d'avoir vu vos mines là, ébahies, ça m'a comblé de joie. Et puis franchement, si Gérard Depardieu tient absolument à m'inviter pour la clôture du Festival de Cannes, je ne peux pas refuser. Ah non, Nicolas, ne recommence pas. Tiens, présente plutôt le programme de l'émission d'aujourd'hui. Pour me faire pardonner? Oui. Bon, d'accord. Alors nous retrouverons l'oncle Picsou qui tombe amoureux de la célèbre millionnaire von der Buch. Il est même prêt à se marier. Puis il y aura également Tic et Tac avec une histoire d'esturgeon hypnotisé afin qu'il ponde beaucoup plus de caviar. Super Balou sera mêlé à une histoire de prototype d'hélicoptère qu'on cherche à dérober. Un petit oiseau quittera son nid afin de vivre l'aventure. Et puis nous aurons aussi un reportage à Euro Disney et un reportage à l'Opéra de Paris. Attendez. Oui? Ah, on m'annonce qu'il y aura également le docteur vétérinaire Payancé qui viendra nous parler des animaux. Merci. Quel programme! Mais tout de suite, commençons avec un dessin animé. C'est l'histoire d'un petit scarabée dans un jardin. Voici le jardin paradisiaque. Voici la... Ah, il faut être très gentil avec les scarabées, car je sais que c'est un animal très ancien qui vivait déjà au temps des pharaons en Égypte. Dans quelques instants, le premier indice de notre concours. Alors, à tout de suite dans le Disney Club. Il paraît que le jus de pomme donne des forces, et j'en ai bien besoin. Et que les pommes font de très belles dents. Arrêtez ça tout de suite, enfin. Vous êtes en train de manger le premier indice du concours. Oh, bah c'est dommage. Je commençais à sentir les bienfaits de ce jus de pomme. C'est une région française qu'il faut deviner aujourd'hui. Alors, si vous avez trouvé, vous nous envoyez votre réponse sur carte postale à notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Il paraît que l'oncle Picsou est amoureux de la richissime millionnaire von der Buch. Il songe même à l'épouser. Mais les neveux ne sont pas tout à fait d'accord. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand bal. Eh oui, quand on a trop d'argent, c'est très difficile de se faire aimer pour soi-même. Heureusement, je n'ai pas ce souci. Moi, dès que j'ai un petit peu d'argent, je le dépense. Eh oui, c'est comme ça. Dans quelques instants, nous allons recevoir un grand ami des animaux, le docteur vétérinaire Payancé. Restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nous sommes très heureux d'accueillir une nouvelle fois sur notre plateau le docteur vétérinaire Patrick Payancé. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Alors, vous êtes venu avec un ravissant petit toutou qui s'appelle, je crois, Gomina. Oui. Qu'est-ce que c'est comme race et pourquoi est-elle là ce matin? Alors, Gomina, c'est un petit berger des Pyrénées, autrement dit un labri. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Elle vient de Bagnères de Bigorre. Et c'est un chien qui, normalement, dans les temps anciens, avant de venir en ville, cette race de chien sert à conduire les moutons, à les garder. Et comme on avait à parler de la transhumance, voilà, j'ai amené Gomina qui, elle, connaît parfaitement le sujet. Alors, la transhumance, qu'est-ce que c'est? La transhumance, c'est en fait le déplacement des ruminants qui vivent dans la plaine, qu'on a rentré l'hiver dans les étables, et qu'au début du printemps, quand les montagnes
se libère quand l'herbe pousse. On emmène les vaches et les moutons brouter dans les montagnes pendant tout l'été. Elles passent là-bas toute la période d'été en liberté, sous contrôle de quelques chiens d'un berger. Et elles redescendent au début de l'hiver, quand la neige commence à tomber, et elles rentrent à nouveau dans l'étable. Alors le chien a été spécialement éduqué pour pouvoir garder ses moutons et ses vaches. Comment ça se passe? Bon, ces chiens ont des qualités de gardien depuis tout le temps. C'est une race qui a toujours fait ça. Il suffit de 2-3 chiens pour garder des centaines de moutons. Ils sont très vigilants. Ils regardent partout. Il suffit qu'un mouton s'égare, ils vont lui courir après, lui pincer un petit peu les jambes. Ah, et hop, voilà. Le mouton rentre là où il faut. Il est surveillé comme ça. Vous parliez de la transhumance un peu au passé. Pourquoi? Parce que ça se fait beaucoup moins maintenant? Il y en a beaucoup moins parce que l'élevage, d'une manière générale, c'est industrialisé. Les éleveurs ont à leur disposition des aliments tout faits et ils n'ont plus ce besoin d'amener leurs troupeaux, de se nourrir. C'est donc une activité plutôt ancestrale qui tente à diminuer. Il faut savoir quand même que dans des régions de France, un petit peu encore, l'élevage traditionnel existe et que ce genre de chien et ces pratiques existent encore. Il fallait que les enfants connaissent un petit peu cette activité humaine. Bien sûr. Par conséquent, essayer de garder ces traditions le plus longtemps possible. Voilà, tout à fait. Je pense. Arvina, il faut garder ses traditions. Merci beaucoup, docteur. Merci, Gomina aussi. Gomina, tu sais qu'à 30 km de Paris, il y a le paradis. Oui, cela s'appelle Euro Disney. Regardez. Qu'il y avait du côté du Lucky Nugget Saloon un homme extraordinaire, un magicien capable de vous faire toutes sortes de tours. Eh bien, on va le chercher ensemble si vous voulez bien. Mesdames et messieurs, venez admirer la magie, de la magie comme vous n'en avez encore jamais vu. Vous allez voir, ça va être un moment exceptionnel. Bonjour monsieur, on m'a dit que vous étiez capable de réaliser toutes sortes de tours. Plus extraordinaires les uns que les autres, c'est vrai? Absolument mademoiselle, je suis un prestidigitateur né. Par exemple, je peux vous faire un tour avec une pièce de monnaie. Vous voyez, une pièce de 2 francs que je vais faire disparaître. Attention. Ah, elle est toujours là. C'est une petite erreur. Je vais recommencer mon tour tout de suite. Excusez-moi, monsieur. Vous n'auriez pas un lien de parenté avec Philippe? Tu m'as reconnu, Julie. Et oui, c'est moi, Philippe. Bon, écoute, puisque tu joues les grands magiciens, est-ce que tu saurais où se trouve le vrai magicien d'Euro Disney? Bien sûr, viens, suis-moi. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous montrer quelques-uns de vos tours? Je m'appelle Gary Cassidy, regarde. Adding tricks and things like people don't normally ever see. Sif, s'il vous plaît. I'll show you a trick. Watch real close. This isn't cards, because cards what I do. Excuse me a sec. Prenez une carte, s'il vous plaît. Il a dit que toutes les cartes étaient normales. Une carte. Regarde la carte. La carte dans le paquet, s'il vous plaît. Pense votre carte, all right? Pense votre carte. Regarde. Un, deux. Oula là. C'est bien la bonne carte. Ah, bravo. Est-ce que vous avez déjà essayé d'hypnotiser des esturgeons? Non! Eh bien, c'est ce que Matou Gramsou va faire pour produire plus de caviar. Mais heureusement, Tic et Tac sont là et ils vont remettre de l'ordre dans tout ça. Voici les Rangers du risque.